Connaissez-vous les lémuriens ? Ce sont des primates arboricoles, reconnaissables à leur museau pointu et à leur longue queue, tous endémiques de l'île de Madagascar. Parmi ceux-ci, on compte le plus petit primate au monde, le microcèphes de Madame Berthe, qui pèse 30 grammes. Si, si, il s'appelle bien comme ça. Pourquoi nous vous parlons des lémuriens ? Parce que l'Union internationale pour la conservation de la nature vient de lancer une alerte. Sur les 111 espèces et sous-espèces recensées, 105 sont menacées par l'exploitation et la destruction de leur habitat naturel, la forêt tropicale, et par les activités agricoles et minières. Leur chasse commerciale à grande échelle augmente également leur risque de disparition. Pire, cela touche aussi d'autres espèces. Or, Madagascar est l'un des lieux de biodiversité les plus riches au monde. Près de 90% de ces espèces sont endémiques. Leur disparition serait une perte pour toute l'humanité. Le fénois possède aussi une biodiversité riche, diversifiée et surtout très menacée. On pense au Thiaria petae, Areatea ou encore au monarque de Tahiti pour les plus connus. Et si l'environnement devenait l'affaire de tous? Après tout, sans notre fénois, nous ne sommes rien. Le JTV Radio, la minute de l'environnement.